Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous réaliser une jolie coiffure donc sur la tête de Clara, de ma fille. Donc on brosse bien les cheveux, on les démêle et on fait l'arrêt correctement au milieu. Puis ensuite, on vient séparer en deux la première moitié à droite qu'on va attacher et puis celle d'en dessous, et on fait pareil de l'autre côté, donc il doit y avoir quatre séparations. Alors on va prendre la première partie, donc en haut du côté gauche, et on va commencer à tresser la natte africaine. On commence par tresser en natte normale pour le début, puis au fur et à mesure on rajoute une mèche pour faire une tresse africaine. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de cheveux. Alors, une fois arrivé au bout, vous allez faire juste deux mailles de tresse normale pour arriver à l'autre moitié du bas du côté droit. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais vous verrez ça en image. Et vous reprenez petit à petit les mèches pour faire la tresse africaine et ainsi de suite. Puis jusqu'au bout, il n'y a pas de cheveux, après on tresse normal. Je vous laisse avec les images en détail. Ce sera plus compréhensible, mieux expliqué quand on regarde les images. Et donc on fait pareil de l'autre côté, on tresse le bout du haut de droite en tresse africaine jusqu'au bout du bas de gauche. Voilà.
Et voilà donc le résultat. J'espère que ma vidéo vous aura fait plaisir et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, ciao !